Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais faire un haul loisirs créatifs de chez Action. Petite parenthèse avant le début de la vidéo, par rapport à la pause que l'on a fait entre la première et cette vidéo-là, c'était pour s'organiser et donc on en a conclu que on ferait des vidéos plus régulièrement. C'est parti. Donc, nous allons commencer par les éléments que nous avons trouvés dans le rayon enfants de chez Action. Donc, on commence par ces petits porte-clés en forme de cœur. Donc voilà, c'est des porte-clés en forme de cœur où à l'intérieur on peut insérer une image comme vous pouvez voir sur ce packaging. Donc voilà, nous n'avons rien à dire de plus. Donc c'est bien dans le rayon enfant et pas dans le rayon créatif. Ensuite, on a... Oula, hop, hop. On a aussi ce petit cahier mini qui sert à faire des cartes en 3D. Dans ce petit carnet, on a en plus des petites perles autocollants, des petits carrés qui doivent servir sûrement à coller les éléments entre eux, et un petit tube de paillettes donc, que l'on peut mettre sur les cartes. Et donc voilà, donc c'est plusieurs éléments. Et ce qui est bien, c'est que ça peut être pour les plus jeunes car on n'a pas besoin de ciseaux pour découper, car tous les éléments en fait s'enlèvent avec des petits bouts comme ça. Hop, on les enlève. Donc là, je ne vais pas le faire. Mais voilà, donc c'est tous les éléments. Et on a ici ce que ça doit donner à la fin. Donc pour celui-ci, ça donne ça. On a par exemple aussi celui-là. Ou même celui-là. Et donc, ben bien sûr, c'est sur le thème mini. On a aussi toujours dans la gamme, dans le rayon enfant de chez Action, des petits stickers. Donc ici, Reine des Neiges et ici, hop, Vaiana. Ces petits stickers serviront à un bullet journal pour enfants que nous allons faire. Et on a aussi ces stickers-ci qui vont aussi servir au bullet journal. Donc c'est des stickers cendrillon, effet un petit peu, on peut dire, diamant, avec des photos de cendrillon par-ci par-là, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça aussi, ça servira au bullet journal. Ensuite, on passe au rayon créatif de chez Action, donc où l'on a trouvé cette magnifique trousse rose pailletée. Donc je la trouve vraiment magnifique, avec à l'intérieur, donc on a une petite mousse pour garder la forme de la trousse qu'on a laissée, mais sinon c'est, on peut voir aussi rose. Donc on va refermer, et avec cette trousse on a trouvé un splendide cahier, donc comme vous pouvez le voir, assorti. Donc c'est un notebook de format A5, donc avec un petit élastique pour le fermer, donc rose pailletée aussi. Et donc à l'intérieur, c'est ligné, et on a aussi un petit ruban rose qui sert de marque-page. Et donc ce fameux cahier rose, ce notebook rose, servira à ce bullet journal pour enfants. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer aussi des pompons. Donc deux sets de pompons que l'on a acheté toujours au rayon créatif de chez Action. Donc là, on a un set de pompons couleur marron. Donc c'est les deux mêmes couleurs. Plus on a, en fait, vous pouvez le voir ici, on a aussi un petit pompon noir ou deux, je ne sais pas, qui est offert avec. Donc ces pompons peuvent servir à mettre sur les chaussures, comme vous pouvez le voir ici, sur un sac, comme porte-clés, ou même comme pompon de bonnet si vous avez perdu le vôtre, ou si vous n'en avez pas et que vous voulez en mettre un. Et donc ceux qui ont l'imagination, on peut faire sûrement beaucoup plus de choses. Et le deuxième set, donc c'est toujours la même chose avec un autre pompon noir, sauf que celui-ci, pardon, il est de couleur
rose. Donc on a un rose vif et un pourpre. Et donc je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais on a aussi ici là le petit pompon noir qu'on peut remarquer. Alors ici on ne le voit pas, mais il doit être derrière. Donc ça, c'était pour les deux sets de pompons. Ensuite, on a ceci qui sert à faire des petites... Donc, excusez-moi, je ne me rappelle plus du mot. Donc, c'est une perforeuse thème pied de bébé. Donc, elle est bleue. Et comme vous pouvez le voir ici, voilà, c'est vraiment en forme de pied de bébé. On a aussi comme motif, on a déjà le format fleur et le format trèfle à quatre feuilles. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a deux sets de 8 feuilles en tissu autocollant format A5 avec différents motifs, comme on peut le voir ici. Donc ça, c'est tous les motifs qu'il y a à l'intérieur de cette pochette. Voilà. Et on en a un deuxième set sur les tons plus rosés. Donc aussi où on peut voir tous les motifs que l'on peut avoir sur ces feuilles. Donc ça aussi, on en a déjà beaucoup. Mais pour ce qui est scrapbooking, c'est très pratique. Ensuite, on va passer sur ceci. Donc ça s'appelle des petits clip sets. Donc il y en a 12 à l'intérieur. Et donc on en a pris deux. Donc celui-là a perdu son petit ruban. Et donc en fait à l'intérieur, il y a la couleur blanc, noir. Ah, il y a gris. Ah non, c'est non, non, c'est toujours blanc, excusez-moi. Et la couleur rose. Et ce qui est bien, c'est que quand on a fini ces petits pots, et ben on peut toujours les garder pour faire autre chose. Et donc je trouve ça vraiment très très pratique et très joli. Ensuite, donc, on va passer à ces breloques. Donc là, on en a pas mal et on en a déjà beaucoup dans notre réserve. Donc c'est un set de breloques avec un petit pompon de couleur. Donc là, on a la couleur bleu ciel. Et donc là, c'est plus le thème un peu nature, car on a une feuille, des oiseaux. Et donc là, on a une horloge. On en a un deuxième, là, donc c'est le thème un peu Saint-Valentin. Donc là, on a des cœurs, la tour Eiffel. Et donc là, le même pompon, sauf en bleu foncé. Et là, on a deux fois le même, parce qu'on le trouvait très joli. Donc là, on peut vraiment dire que c'est thème Saint-Valentin. Donc des cœurs, là il y avait marqué love avec un petit cœur, une clé avec un trèfle, et là le pompon est rose et on l'a choisi en deux fois car il était très très joli. Ensuite, on a encore des petites breloques qui peuvent servir au scrapbooking ou même à décorer excusez-moi, décorer des boîtes. Donc on a donc c'est sur le thème bébé garçon pour celui-là et bébé fille pour celui-là. Ensuite, on reste dans les breloques et donc là, on a des breloques en forme de cœur donc dans des petites boîtes en effet en bois, on peut dire ça comme ça. Et donc ça aussi, on en a déjà pas mal. Et donc là, c'est sur le thème cœur. Donc à l'intérieur, on peut voir, bon bah il y a deux compartiments avec ici, par exemple, ici des cœurs avec des motifs, ici aussi. Et on a aussi une petite corde qui peut nous servir à faire des bracelets ou même des colliers. Donc on a des cœurs de toutes les tailles, très grands, très pointus ou tout petits. Et donc dans celui-là, c'est la même chose. Donc on a encore la petite ficelle. Là par exemple on a un cœur très très large. Ou même on peut avoir des cœurs tout tout petits. Ensuite on va aller dans le scrapbooking encore une fois. Et donc là c'est des sets de feuilles donc pour scrapbooking. Et donc dans ces sets, donc par exemple celui-là c'est set un petit peu gâteau. Un petit peu festif, comme vous pouvez le voir. Et donc on a quatre fois à chaque fois la même feuille. Donc voilà, on a des petits gâteaux. Donc là, on peut vraiment dire que c'est thème pâtisserie. Donc là, on a des petits gâteaux pour le festif. Là, on dirait un petit peu, bah, ces petites, peut-être des petites décorations de gâteaux. Là, on a encore des gâteaux. Enfin, celui-là est très
pâtissier festif. Et celui-là est, donc je disais, ce thème un peu plus été. Donc avec mon préféré ici, avec des flamants roses, des glaces, pastèques. Donc ça donne vraiment l'envie de vacances. Donc on a plein de thèmes. Donc eux sont un peu moins passe-partout, on peut dire, hein, parce que là, bon, à part celui-là, celui-là aussi est très très joli. Donc là, on a par contre des petites roses, ça c'est plus passe-partout qu'on peut mettre sur de scrapbooking très très facilement. Donc voilà. L'avant-dernier objet que je vais vous présenter, donc c'est un gros cahier scrapbooking en taille, donc c'est un carré donc de 24 cm de côté. Et donc là, par contre, comme vous pouvez le voir, c'est pink. Donc là, c'est vraiment tout en thème rose. Donc là, si vous voyez bien, on a tous les thèmes qu'on va avoir dans ce cahier. Donc on a des thèmes très très jolis, hein, fleurs. Là, c'est un rose avec des petites bulles. C'est vraiment très joli. Même là, des signes avec une couronne, des petits cœurs. Là, on a des petites libellules. Là, on a un mur, mais tout est dans l'esprit rose. Du coup, c'est très joli. Donc voilà. Et le dernier objet que je vais vous présenter dans ce haul, c'est ça. Donc c'est de la colle qui est très pratique pour coller un espace qui est grand. Un grand espace. Donc comme vous pouvez le voir, c'est comme les bombes de peinture, c'est en spray. Donc c'est pour ça que c'est plus pratique qu'avoir sa colle où on doit coller tout le papier alors que par exemple il fait peut-être, je sais pas moi, 1 mètre sur 1 mètre. Alors que là, hop, un petit coup de spritz avec ça et puis c'est beaucoup plus simple. Donc bah, c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans ce haul. J'espère qu'il vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire si vous avez aimé. Ou même si vous avez déjà l'un de ces objets chez vous. Et bah, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Au revoir !